Son nom est Ellie. Elle adore le maquillage. Mais elle s'aime aussi au naturel. Elle n'est pas à la recherche de la perfection. Elle veut juste être elle-même. Car elle pense que chaque femme est belle à sa manière. Aujourd'hui, elle va vous montrer tous les swatchs de la gamme Rouge Velours. C'est la marque Rouge, l'une de ses favorites. Elle porte très peu de rouge à lèvres mat, car cela rend ses lèvres sèches et lui procure un sentiment d'inconfort. Mais elle a finalement trouvé le bon rouge à lèvres. Il est si pigmenté qu'une couche suffit. La première teinte, c'est Camille. C'est une nuance de rouge qui tourne vers le brun, pour un effet frais. Elle aime toujours un peu étaler sur les bords, pour obtenir un look plus naturel, plutôt que trop sophistiqué. Ce rouge à lèvres se combine bien pour ce look. C'est sa teinte préférée, car elle n'est ni trop brillante, ni trop foncée, s'accordant bien avec son teint. Elle associe la nuance au fard à joues roses pour lui donner un look vibrant. La deuxième teinte s'appelle Sophie. C'est une teinte rose vive, comme une framboise. Une teinte pour un look très frais. Elle n'a mis que du concealer et du mascara pour compléter son look et matcher avec le rouge à lèvres. Elle adorerait porter ce look en saison estivale, sublimé d'une tenue aux couleurs vives pour parfaire l'ensemble. La prochaine teinte s'appelle Marie. C'est une couleur rose, neutre, profonde. Cette nuance donne un coup de fouet à son teint. Elle rayonne. Elle voulait créer un look ensoleillé avec cette teinte. Alors elle a mis un peu de bronzer pour la touche finale. La suivante, c'est Jeanne. C'est un rouge classique. Elle aime la simplicité. Une seule application et elle se sent en confiance, car cette teinte donne à la fois un look chic et moderne. Cette fois, elle n'a pas étalé la couleur. Elle a choisi de bien définir le contour de ses lèvres pour adopter le look rouge, intemporel. La suivante se nomme Alix. C'est un rose mauve. Vibes des années 70, assumées. Elle ne portait que du rouge à lèvres rose, aux teintes plus chaudes. Mais je pense que cette couleur lui va bien. Elle semble l'aimer également. Elle l'utilise aussi comme fard à joues pour créer un look monochrome. Cette nuance, elle s'appelle Louise. C'est une teinte rouge-orangée. Comme c'est une nuance orangée, cela donne des vibrations estivales. Elle a mis du fard à joues corail pour lui donner un look rafraîchissant qui s'accorde avec la couleur de ses lèvres.
Ensuite, voici Hélène. C'est un rose fuchsia. Il est différent du précédent, car il est plus coloré et plus chaud. La nuance rose mi-ton est son favori de toutes les couleurs confondues. Elle aime beaucoup cette nuance. La dernière, c'est Laura. C'est la teinte la plus foncée parmi les 8 teintes. Et lorsque la lumière se reflète sur ses lèvres, il semble également tiré vers le rose. Ce sont tous les swatchs de Hailey pour rouge de la gamme rouge velours. Chaque teinte est belle à sa manière, comme chacun et chacune d'entre nous. Elle adorerait savoir quelle est votre nuance préférée. Alors, faites-le lui savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.